Austin 316 says I just whipped your ass. M. W. A. Ouvrir. Hello, messieurs. C'est bon. C'est bon. Pour la nuit, le catch, notre passion. W. W. WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Woo! Ici l'incroyable NCM. Animateur du tu CIM. Sais. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mono and some GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World. The Original, vintage depuis 1958. Self-proclaimed, legend, l'homme au mollet d'acier de Mollet Man et comme dirait Sly, Sylvain Grenier, ton ancien partenaire. Tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, t'as l'air en grande forme blondet avec euh, Écoute, la barbe fraîchement de... rasée. Ben oui, j'ai plein de poils euh, sur mon chandail. Euh, oh, oui, oui, je me fond... suis levé un matin, j'ai décidé de, de, de faire le look du printemps. Là, tout le monde prend leur réservation pour changer les pneus euh, au début mars. Là. Je dit, il y en a qui sont, euh, ils pensent vraiment que l'hiver est fini, mais je l'espère, mais j'en doute. Hé, hey, pour les pneus, c'est où la meilleure place là, pour aller changer ses pneus sur la Rive Nord? Pneus et Mag, PM! de notre ami Steph. Est que Steph, est-ce qu'il a sa table VIP pour Simmania, euh, lui? C'est toujours le premier. Est-ce qu'il a acheté ses billets pour le tirage euh, des quatre billets bloqués? Ben non. Pour nous... Ben Steph. non. Steph, c'était à l'écoute. J'espère qu'il est à l'écoute. C'est ben, certain qu'il est sur ma liste. Habituellement, il dit jamais non. Oh, il dit jamais non. C'est bon, ça. Hey Marc!

ah, c'est vrai, c'est les trois ans du podcast. Bonne fête, Marc! Hey, euh, c'est tout à fait incroyable, comme dirait Ensim JF. Oui, monsieur. Trois ans. Hey, ça a passé vite quand même. Moi, je n'ai pas été là depuis le début, mais euh, je suis arrivé quand même pas trop loin là, dans, dans la première année, si je ne me trompe pas. Oui, c'est sûr. Écoute, on a commencé ça le 23 mars. C'est aujourd'hui le 156e, donc 52 semaines par année. Et de quelle façon ça avait commencé, le tout premier podcast? Est-ce que les gens s'en rappellent à la maison? Ça, C'est un, un beau. On est dans le, le podcast sur les catchphrases. Ça, ça donne une bonne. Euh, C'est parti, mon kiki. Oui, oui. oui. De notre ami Patrice Maltais Soyez-y, mesdames messieurs. C'est parti, mon Kiki. Oui! Enfin, épisode 1 du podcast de Marc Blondin. Soyez-y, mesdames, messieurs. On le salue, il euh, est sûrement à l'écoute. Il y a eu également Jean-François Kelly qui est venu chercher beaucoup d'expérience avant de partir les rois de la reine. Oui, la légende vivante. Exact. Toi, tu es arrivé à l'épisode 21. Je pense que tu remplaçais pour qu'on oui. fasse euh, Bound for Glory. Euh, Ou où... non, non, c'était sur le match, de balle. Ah, le match de balle. En tout cas, je... au début, j'ai fait le match de balle, j'ai fait ta rencontre avec Vince McMahon. Euh, ouais, J'étais -là, là. Le, le, le podcasteur remplaçant. Écoute ton intro de... il y a trois ans. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Je me présente handsome GF, en compagnie, bien évidemment, de notre ami. Monsieur Fun International, vintage depuis 1958, tu pas. the original, top of the world, Marc Blondin. Je sais que es pas capable de retenir ça. Je sais pas. Je sais pas. La, regarde, Marc Blondin, Max. Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. B? Tu ne l'avais pas autant qu'aujourd'hui? Écoute, c'était bien moins. J'avais bien moins de feu. Ouais. J'étais à nouveau dans, 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 dans ce milieu-là. C'était une première pour moi. Mais c'est fou, l'évolution de juste l'évolution de notre duo. Ceux qui réécoutent des podcasts du début à aujourd'hui, ça n'a aucun sens comment on est rendu ailleurs. C'est sûr. Écoute, demain, je m'en vais chez Pierre Gauthier. On va enregistrer une nouvelle intro pour le début de la quatrième année, donc wow. pour la semaine prochaine. Euh, J'ai envoyé toutes sortes d'affaires. Après, notre podcast va me faire des, des mots euh, qui, euh, qui sont tes mots officiels, comme ton fameux Saint Crème, ton Iboboy, ton langue sale, etc. Bon, fait que, je vais jouer avec ça demain. Je vais libérer mon avant-midi. On a du stock à en rajouter. <laughs> Et puis, euh, David Jouan aussi qui nous envoie de nouvelles images. Euh... David Jouan. Le Casano va des pauvres. Non, le Don Juan. Des pauvres! des pareil! Ça rime pas, Don Juan, David Juan. T'as compris ah, pas, Marc, après tout le ça? C'était ça, le, le jeu de mots? Oui, c'est ça, ce jeu de mots-là. Voyons. Bon, incroyable. Ouais, fait c'est ouais. ça. Écoute, euh, la semaine prochaine, on débute la quatrième année. C'est quelque chose, mon cher. Et là, fini les niaiseries de fête, pas de gâteau pour le gros. Euh, non, t'en mérites pas. Non, je parlais de toi. J'en euh, hey, en passant, quelle belle photo de toi euh, que j'ai vue sur euh, les réseaux sociaux avec tous tes défauts et. Euh... Oui, c'est un de mes amis, Steve Caron. Le Caron, si vous l'allez le suivre sur Facebook, c'est un photographe extraordinaire. Un goût de hockey, correct, parce que NSMJF compte bien des buts contre lui, mais faire sa part. Si vous voulez faire un shooting photo de tout genre, allez le suivre. Le Caron sur, euh, sur Instagram. Il fait une photo du jour à chaque jour. Je pense qu'il est rendu à je ne sais pas combien, 1000 et plus photos par jour, une par jour. Vous allez voir tout son talent. Puis il a pris une photo d'Anson JF. Puis il, a, il dit qu'il a accentué mes traits. Moi, je trouve qu'il a accentué mes défauts. Mais ça, c'est une autre histoire. Dis-moi, est-ce que M. Caron, c'est ça? Oui. Il a -il acheté une participation? J'envoie un message tout de suite après <laughs> le podcast. Eh hey, ben là, les auditeurs, veux-tu en nommer une coupe qui ont pris des, des participations, Marc? As tu tout ça pas loin là, parce qu'on va les. J'ai tout non, ça ouais. pas loin. Non, j'ai pas ça. est t as t as parce que tu ben Moi, je mets ça dans un cahier Canada. Et, et ici mon bureau dans le pas. studio est tout petit, euh, j'en ai marqué, j'en ai inscrit euh, euh, sur un. Mais honnêtement, je suis déçu. Je te le dis. On est rendu à combien de membres? sur le groupe. On est... Combien personnes? Écoute, on attention? est au autour de 3100 membres. Euh, la moyenne d'écoute est autour de 500 à, à 1000 selon les, euh, les sujets. Puis on a eu à peu près 10 achats. Euh, C'est vraiment pas fort. Comme tu l'as dit la semaine passée, on fait ça pour, euh, pour eux autres chaque ouais. semaine, gratuitement, pas de commanditaire. Le gars que vous entendez, Max Bacon, lui nous aide, donne de l'argent, payez le voyage justement. Rien pour le podcast. Euh, ouais. Ansim fait ça sur le bras, moi aussi. Puis il euh, y en a un à Trois 500 qui dit Ah. Je t'écris, je vais prendre une participation. Le pire, c'est que la majorité me prenne deux participations. Ça, c'est bon. Il nous en manque 30. Exactement. Ouais. Et là, vous écoutez ça, on est mardi le 12 mars et le tirage est le 15. Fait que, ouais. mettons qu'il n'y a pas trop de lousse, là. Fait et Sachez, euh, là, les auditeurs, qu'avec tout ça, là, on ne fait pas une scène en allant voir, en allant annoncer TNA. On ne revient pas là, les poches pleines en pensant, pensez pas qu'on fait de l'argent avec ça, là, euh, Au contraire. Tu sais, on a fait le budget pour, euh, pour Las Vegas euh, et, et Hanson qui me dit, écoute, moi, ça ne me dérange pas de mettre ma paye pis, euh, Là, j'ai fait comme un moment donné, pas pour aller travailler puis mettre notre paye pour payer dépenses. Sachez que les, les payes ne sont pas élevées, c'est ça. Là. On ouais. ne fait, fait pas des millions avec ça. Sachez-le, mais on a besoin de vous autres, les auditeurs. Il faut aller rencontrer la nouvelle direction de TNA. Super important pour nous d'être là. On va être là, on va trouver des moyens d'y aller, mais une petite participation, quatre billets, zone Monsonex contre le Lightning. Ça va à peine. Merci de nous aider. Vous écrivez à Jean-Frédéric Clément en privé. Ou encore Marc Blondin. Puis, tu as vu comment j'ai été faire? Il y a euh, Pierre Blais euh, ouais. qui m'a écrit. Puis, moi, dit, je dois prendre une participation. Je t'ai pris ça où? Il dit, c'est qui nous a parlé. J'ai écrit Ansem, prends-la pour lui. C'est très fait honnête, ça il, 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 il nous en manque 30. Alors, ouais. moi, c'est sûr que mes amis proches qui ne sont pas membres du, du groupe euh, vont m'en prendre euh, au moins 10, 12. Oui. Mais ce serait le fun que, mes, que, que les 18 autres soient pris par. Euh, par des gens qui écoutent le, le podcast, Seigneur, ouais, arrêtez de niaiser. Serait... 20$, là. En hey, tout cas, ben, je suis en train de oh, pogner une ben c'est l'anniversaire. Choque-toi choque pas, Marc. Hey, on change de sujet, on s'en va tout de suite au fais de la semaine. Ce segment du fais dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Ré Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du Bacon, 514-260-9415. Bien, écoute, Anselm, pour moi, euh, il y a plusieurs faits saillants de la semaine. Euh, oui. D'abord, le 1er mars dernier, après qu'on ait enregistré euh, le dernier podcast, est décédé M. Paul Vachon, de oui. la célèbre famille des Vachon. Euh, et euh, il a eu une bonne carrière de lutte, euh, mais surtout a été reconnu comme promoteur. Et oui. euh, entre autres, il est responsable. De l'avenue du géant ferré à Montréal, au Québec. Et je vous invite à lire la courte. Euh... Oui, C'est court. un article qui est assez euh, long, mais costaud, avec tous les costaud, détails oui. sur TVA Sport de notre ami Pat Laprade. Oui, exactement. Pat euh, donne beaucoup de détails, beaucoup, va vraiment dans, dans tout ce qu'il y a à savoir sur Paul Vachon, que j'ai connu pas beaucoup parce que. Peut-être que toi, Marc, tu le connais un peu plus parce qu'il était un peu plus vieux. Mais... Je, je l'ai vu à quelques reprises, mais sans plus. C'est Mad Dog moi, j'ai connu plus. C'est Luna Vachon. Ben ouais. Mais moi, j'ai rencontré une fois Paul Vachon Il était venu à Montréal avec Mad Dog. Mais c'est la seule fois que moi, j'ai eu un contact avec lui. Je pense que je n'ai même pas, jamais vu lutter dans le ring. Mais comme tu dis, c'est un précurseur, c'est un lutteur, c'est un promoteur. Donc, allez lire l'article de Pat euh, pour avoir tous les détails. Là. Vous les avez tous dans, dans cet article-là. Il y a eu euh, dans la dernière semaine le dernier combat de Sting. Ouais. J'ai vu des séquences sur YouTube. Euh, euh, toi, est-ce que tu as regardé le combat? Oui, j'ai vu ça. C'était un beau combat par équipe, une belle façon de protéger Sting. Euh, puis, tu sais, moi j'ai encore en tête, là, ça, ça run à la WWE, son match contre Triple H à WrestleMania, où tu étais. À ouais. San Francisco. Je euh, m'en souviens, rappelles. il est rentré, il faisait clair. Ouais, je exactement. capotais. C'est ça. Il capotait négativement. Comme l'entrée de Sting, quand il fait clair, me semblait, ça ne fitait pas. Puis, tu sais, dans, dans ce match-là, on avait eu NWO qui était sorti, D-Generation X. Mais je trouve que Sting à la WWE, on ne l'a pas assez mis over. Je pense que, tu sais, on en a parlé, je ne sais pas si la semaine passée ou l'autre, que des fois, WWE, quand un lutteur a été très, très. Bon, et a eu beaucoup de succès ailleurs. On essaie de mitiger ces succès en mettant les gars de WWE over. Puis je pense que ça, son, ça run, si on peut le dire ainsi, à All Elite Wrestling. Tony Khan l'a dit dans les médias, voulait que on fasse ça, on boucle la boucle comme il faut. C'est pour ça que même si c'était un match par équipe pour les titres, son match de retraite, Darby Allen et Sting ont gagné le match et ont on, on fait forfait des titres. Les titres sont devenus vacants après ce match-là. Donc on n'a pas fait perdre Sting à son dernier match puis euh, c'est on... évident là. il n'aurait jamais perdu son dernier match là mais un match par équipe il aurait pu faire la, le pin sur Darby ah. Allen il juste, il pu faire, mais la boucle a été bien, était bien bien bou bouclée ce qui est triste c'est qu'on n'a pas vu de séquence du vieux Sting parce que les, les tapes n'appartiennent pas à All Elite wrestling dans toute sa période WCW WWE, on n'avait pas on a, il manquait un peu de de background, tu des, des vidéos package. Mais moi, j'ai vu faire. une vidéo-package qui est assise dans un cinéma, puis tu vois des images de lui en surfer sting, puis tout. Pis ça, ouais. il a passé ça avant le combat. Ouais mais c'est ça. Mais ça, ça devait dater d'avant WCW, parce que tout ce qui appartient à WCW... Tu sais, là, WWE l'a mentionné sur le broadcast, Michael Cole, Pat, Pat McAfee, mais... Ils ont été fins de mentionner que c'était la retraite de Sting, mais ils n'étaient pas assez fins pour prêter les images. Il ne faut pas oublier que ça reste deux compagnies rivales qui ouais. se battent pour les mêmes commanditaires, puis ils se battent pour les, la, la même tarte, même si All-Aid Wrestling est beaucoup, beaucoup plus petit. Mais ça a été un super bon match, super belle carrière. Euh, écoute, euh, c'est un personnage, euh, toi, tu as connu les deux personnages, tu étais là quand il est devenu le Crow Sting. On mm -hmm. se rappellera que c'était une idée de Scott Hall à l'époque de la NWO. Puis justement, j'ai vu des clips hier qui parlait du gros build-up de Sting contre Hogan qui a duré 18 mois jusqu'à Starcade, où Sting devait l'emporter puis là qu'Hogan a dit non ça n'arrivera pas ce soir Fait que son creative control s'en est servi ce soir-là puis il y a eu un, un pseudo contre rapide à la fin qui n'a pas marché ça a comme tout brisé ce beau build-up là qu'il avait fait ouais. c'est une des plus belles histoires qui a été racontée une des plus longues tu là quand tu prends ton temps pour raconter une histoire une mais... belle histoire qui finit mal ouais mais quelle carrière incroyable euh, de Sting et toi, tu le connu à TNA aussi. Donc, tu sais, c'est waouh quel, quel performeur dans le ring. Oui, exactement. Je, je regardais sur mon, euh, mon étagère parce que j'ai un bubblehead de Sting avec son bâton euh, qui m'a été donné par Sharon Cedello, d'ailleurs. Ouais. Et j'ai des figurines. là J'en ai deux de Sting, une euh, en crow et l'autre en Surfer Sting. Alors. Euh, hey, je t'ai sûrement quand... déjà posé la question dans le podcast, mais ton amnésie est contagieuse. As-tu déjà la chance de l'interviewer, Sting? Right. J'ai fait les demandes, il y a jamais, ça n'a jamais, jamais fonctionné. C'est jamais arrivé quand tu faisais tes voyages non. à Orlando ou tu Non, jamais, jamais, non. Jamais, jamais. Non. Okay. Non. C'était les, les, deux, les deux séquences, puis je t'en ai déjà parlé. À la WCW, les gars, les stars étaient cachés. Ils étaient ouais. très durs à avoir. Euh, euh, et il y a eu aussi, à moins d'avoir des contacts, tu avec Rick Martel ou avec euh, Ming Jean. Tu sais, J'ai fait une entrevue avec Bret Hart on, sur le, le, la chaîne, ouais. mais euh, c'était pas évident. Mais écoute, peut-être que je l'ai faite, puis je ne m'en souviens pas aussi. Là, ah, tout sais. est possible dans le monde, dans le, le merveilleux monde de Monsieur Fun. Le merveilleux monde amnésique de Mr. Fun International. Voilà. Euh, écoute, moi, ce qui m'a marqué, euh, c'est les deux promos. Euh, celle de SmackDown, mais celle de que le rock a fait de 21 minutes chez lui. Ouais. Euh, écoute, euh, tu vois les palmiers. Tu sais, à un moment donné, j'écoutais euh, Eric Beschoff en parler, puis ça m'a fait réaliser que faire une promo de 21 minutes, là, pour que tu sois bon en temps. Ah, c'est du stock parce que, tu sais, tu l'es monté dans ta tête, tu t'es mis des grandes lignes, mais là, il faut que tu brades autour de ça, là. C'était, écoute, moi j'attendais, euh, j'étais le chauffeur cette journée-là de Armand, mon beau-père, qui était euh, à, à l'hôpital avec Jas, puis moi j'attendais ouais. le char. Fait que c'est le moment idéal. C'est le fun parce que quand tu vas voir un médecin, tu sais comment c'est rapide, ben ça oui, prend cinq minutes, puis c'est fini. Alors j'ai eu à peu près une heure et demie, deux heures dans l'auto stationné à écouter. Euh, des podcasts, à regarder les deux promos, celle de SmackDown avec le Bloodline, quand euh, euh, son. Euh, de, de, de Chief of the Table, de. de euh, Head of the Table, ouais, the Tribal sais, Chief. C'est ah, ça. Ai bon, ben, C'est proche. Hey, on quand parle de catchphrase, tu mélanges tout. Là. Quand il y a la main pour pas que Rock dise uh, uh, Do you smell what? T'sais, il a coupé cela pour qu'il puisse dire à fin. The bloodline is cooking. Ah, J'ai trouvé ça bon. Mais ça a bien. C'est une promo qui finit extraordinairement bien. Ouais. Là, tu The Rock qui dit if you smell. Puis là, what the bloodline is cooking, mais on voit les doigts. Les autres mettent le 1 en l'air et The Rock lui met le 1 avec son petit pouce sorti. Donc, euh, et là, on a, une, on a une image de Paul Heyman qui regarde ça avec une face en se disant Ouais, je suis pas sûr, je suis pas sûr Donc, la route vers WrestleMania va être très bonne. J'ai hâte de voir où ça s'en va avec tout ça, parce qu'on sait que la première soirée, ça va être un match par équipe. Euh, Roman Reigns, The Rock, contre Cody Rhodes, Seth Rollins. Donc, j'ai hâte de voir où ça s'en va avec ça. Euh, écoute, ça, ça va être bon. Ça va être bon. On pourra s'en reparler de WrestleMania, là, on a encore du temps. C'est sûr. Hey, on, non, vient mais... parler, on vient de ouais. parler de catchphrase, et quelle belle transition pour parler du podcast de cette semaine sur les citations célèbres ou les catchphrases de lutteurs les plus populaires. Et, et je voulais souligner euh, un message d'Antoine Lacroix qui dit on aurait dû séparer annonceur et lutteur. Toi, tu avais un message pour lui. Tu as mentionné, on le mentionne Antoine Lacroix, on le salue. A-t-il sa participation au concours? C'est un gars qui décide de nous dire comment faire notre ouais, podcast ouais, ouais. devrait au moins dire ben Je vais vous donner 20$. Le message à suivre. est lancé. Oui, assure Antoine Lacroix, j'espère que tu as l'écoute. Écoute, les catchphrases, euh, ouais. on a deux invités cette semaine. Euh, on en a un, c'est sa première visite, tu vas le présenter tantôt. Et ouais. on a l'Ave, l'Ave qui, oh. trois fois, qui a une possibilité de finir son fameux top 5 sur les costumes. Ben oui, j'ai hâte d'entendre ça. La fin de ce fameux top 5, là, les fans attendent ça depuis très longtemps. Et euh, sur les, les catchphrases, moi j'avais une question avant qu'on passe au premier invité, Ansum. Est-ce que pour un lutteur, on, on parle entre autres de celle, on a parlé de celle de Rock, là, mm -hmm. can you smell what the rock is cooking, puis tout ça, est-ce que pour un lutteur, une catchphrase peut être aussi importante que sa prise de finition? 100% d'accord avec ça. Ça fait partie de ton personnage. Euh, Rappelons-nous, là, sans faire du name dropping, là, Kevin Owens avait déjà dit, euh, m'a déjà raconté, que, quand il a rencontré, il était sur les Indies, il a rencontré Steve Austin à l'aéroport. Au il était avec Samizin à ce moment-là, puis il a demandé quel conseil tu peux me donner. Mais il dit arrête jamais de parler. Arrête jamais de parler. Donc, le fait que tu parles, tu fasses de bonnes promos, tu as des, des catchphrases accrocheuses, c'est ça que les. Tu sais, la Teto c'était ça. Tu avais The Rock, tu avais DX, NWO avec Just Too Sweet. Il y en a tellement, mais ça, ça reste dans l'imaginaire. Puis les gens attendent autant tes catchphrases que tes moves de finition. Donc, oui, 100 d'accord, c'est aussi important qu'une prise de finition. Et tu parlais de euh, Kevin Owens euh, dans le dernier épisode, d'ailleurs, ou un des derniers épisodes d'Eric de Bischoff. Euh, il dit comment qu'il est divertissant, comment il aime ke euh, Kevin, puis comment que c'est un bon gars, puis un family guy. Oui, puis c'est resté un bon gars. Je l'ai vu cet été, puis c'est le même gars que moi j'ai connu quand il a commencé à lutter à 16 ans, puis c'est le kid Kevin Steen que moi j'ai connu. Tu sais, c'est ça, il n'y a pas monté en tête. Il est très humble. Il a travaillé très, très fort pour se rendre là. Puis, il n'a pas la grosse tête. Puis, ça, c'est tout à son honneur. Les fameuses catchphrases, oui. on a tous une dizaine dans la tête. Ce n'est pas une vingtaine. Mais notre premier invité est allé ailleurs. Euh, il y en a sorti que j'ai fait que, oups, ça ne me dit rien. Il y en a sorti que j'ai fait, hey, boy, il ne me souvenait pas de celle-là. Fait que je te laisse le présenter. C'est sa première visite sur le Sim. Wow, mais écoute, on a une personne qui vient de Sherbrooke. Donc, c'est la deuxième personne de Sherbrooke que je connais, qui est très intéressante après mon ami Steve Charrette. Donc, sans plus tarder, je vous présente pour sa première présence sur le podcast notre ami, j'espère qu'il va être bon, Sylvain Faneuf. Alors, on retrouve Sylvain Faneuf qui est euh, première fois comme invité sur le CIM, n'est-ce pas, Sylvain? Oui, c'est vrai, c'est la première fois, mais merci beaucoup, Marc, de m'accueillir à ton podcast. Euh, très apprécié, merci. Bien, bienvenue, bienvenue. Euh, merci. Écoute, Sylvain, euh, premièrement, une casquette du Phoenix de Sherbrooke. Oui, oui, je suis un grand fan du Phoenix, un très grand fan. Tu sais, moi, je suis obligé d'aller avec l'Armada parce que mon fils décrit Game de l'Armada. Je <laughs> sais pas. Ah oui, le choix. Tu okay, euh, euh, oui. Bien, Cédric, Cédric. Et euh, ah oui, pour les... Bien, oui. Euh, oui. Pour les amateurs, ceux qui, qui nous regardent ou qui nous écoutent, on parlait, Sylvain et moi, avant de pousser, peser sur le bouton enregistrement, en 2011, lors de la tournée TNA. 2011, 2012, 2011, tu dis? 2011, 2011, oui. Euh, au centre de foire de Sherbrooke, euh, Sylvain faisait partie euh, de l'équipe de sécurité. Là, vous la regardez et vous dites, « Ben là, arrête, là, ce point gars de sécurité, là. Je... » <laughs> Des jokes, je fais ma langue sale. Mais oui, pour la tournée Impact qu'on avait fait avec Patricia Molloy, et d'ailleurs, à cette soirée-là, Sylvain, dans l'équipe de sécurité, il y avait le regretté Dave La Justice. Oui. Oui, oui qui était vrai. là. Qui oui. était là, que son fils continue euh, à lutter. Oui, c'est vrai. Et c'est drôle, j'en parlais cette semaine avec des personnes influentes dans le monde de la lutte, d'une... Euh, qui sait? Peut-être visite de euh, TNA euh, Impact euh, à un moment donné au Québec. Fait qu'on regardera ça. Bien, moi, j'aimerais bien ça si... Moi, je vous suggérais le Palais des sports. Notre fameux Palais des sports est très utile pour ça aussi. Je te dirais que c'est sûr que euh, s'il arrive de quoi, on va viser euh, la région de Montréal en premier. Là. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais Sylvain, on est là pour se jaser des, des citations, des oui. catchphrases, des, euh, des mots, parce qu'on le sait, là, il y a le, le, le fameux woo, de Ric Flair, il y a le oui. fameux Oh yeah de, de oui. Macho Man. Mais toi, tu es allé chercher quelques-unes qu'on a peut-être oubliées, ça se peut-tu? Oui, ouais, ben, j'ai fait une recherche cette semaine, Marc, et. Euh... Je suis tombé sur un site que oui, on a des citations que oui, on va se rappeler sûrement, que sûrement les, les gens vont se dire, ah oui, je me rappelle de celle-là, et ah celle-là, ouais, je ne suis pas sûr, mais j'ai déjà entendu ça. Donc, euh, oui, j'ai préparé euh, quelques-unes, oui, en pensée. Ben, vas-y, on y va une par une. OK, bon, ben, on va commencer, vois-tu, le monde s'il se rappelle, The Big Boss Man. Vous vous rappelez notre fameux, notre fameux gardien de prison? Vous vous en rappelez de lui? Vous vous souvenez de qu ce qu'il disait souvent dans sa phrase? Il disait, « You will serve our time. » C'est vrai, c'est vrai. Et ça. ça c'était une, une carte que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ouais. celle-là. Euh, aussi, ah, un autre. Notre fameux, il disait aussi, « Six times, six times, six times, WWE Champion Booker T. » Là, c'est que loin, là, aussi. Oui, 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 Booker, ouais, ouais, Booker C'est vrai, oui. Et tu vrai ouais. ce qu'il disait? Est-ce que tu t'en rappelles, Marc? Oh, pas sûr, non. Pas sûr? Si je vous disais « Can you take it, soccer? Ben oui, ben oui. <laughs> c'est sûr, c'est sûr. Ben, tu sais, moi, j'ai bien de la misère avec mon amnésie, mesdames, messieurs. Ouais. Euh, <laughs> écoute, euh, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai peut-être <laughs> trop de souvenirs dans la tête, là, ouais, fait que okay. c'est peut-être ça. J'en ai trouvé un autre, un autre personnage qu'on aimait beaucoup, qui était détesté, Carlito. Carlito, ben là, il est revenu cette année là, avec ouais, euh, Ray Mysterio ouais. tout ça. Ouais. Mais lui, on avait sa catchphrase quand il rentrait. Au début, sa chanson disait I spit in the face in the people who don't want to be cool. Tu te rappelles de ça? Non, moi, c'est un bout ah, non. Non. J'ai bien autre... À la période de Carlito, je t'ai débranché, moi. De... Ah, t'étais de... débranché? Ouais, okay. c'est une période que je t'ai débranché. <laughs> bon, ben, lui, il disait That's not cool. Il disait ça plus souvent dans ses phrases, dans ses okay. catchphrases. OK. okay. Ah, okay. J'aime ça, euh... ça que tu m'amènes des affaires qu'on que est. On... Tu sais, parce que le, le, ceux que je te le disais, tu sais, oui. ceux connus, on les entend, on les entend, on les entend. Mais oui. euh, c'est le fun de revenir et de, de dire. Oui, non, tu il en avait, euh, en avait tellement. Oh, ben, ça, regarde, une si tu D'une façon, pour regardes, chaque auteur. Hein, ah si oh, oui, si tu regardes toutes les, les fédérations, tu regardes la ALE, tu regardes la AEW, tu regardes la WCW, tu regardes tout, toute la WWE et tout et tout. comment qu'ils peuvent en avoir, c'est incroyable. Ouais, c'est fou là. Fait que je, je reviens à mon histoire encore de, de fameuses catchphrases. Notre bon ami Chris Jericho, notre, notre bon Canadien qui était souvent aimé et souvent haï, ouais, tout dépendant y de des situations. Il y avait le tour de, de switcher de « il a face » assez facilement. Il y a encore oui, le facile. tour. Que lui, ce que j'aimais souvent, ce qu'il disait, une de ses phrases que j'aimais beaucoup, lorsqu'il était à Raw, il arrivait « Welcome to Raw is Jericho! » <laughs> ok, Il y oui. avait ça. Il y ouais. avait ça aussi. Ensuite, un autre qu'on aimait beaucoup, sur sûrement, le fameux Godfather. Le Godfather. Je sais pas, tu te rappelles de lui? De ben te... oui, il, est, il était bande à Las Vegas, qu'on m'a dit. Puis ah oui? je pense qu'on m'a même dit qu'il était encore propriétaire d'un club là-bas. Ah, c'est vrai? Ah, tu vois, ça, je pas au courant j'étais vraiment pas au courant mais j'aimais beaucoup sa phrase qu'est-ce qu'il disait aussi lui il disait get on the board with the who train Wow, wow t'en sors des wow. bonnes m'a dit Sylvain c'est ouais 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 je suis bien content et tu vois il y avait un autre aussi qui disait souvent avec t'avais le who train t'avais l'autre aussi qui disait oh I am Pepe easy! <laughs> » J'aime la face que tu fais. Puis tu danses quasiment en disant c'est bon, c'est bon. OK. Ensuite, un autre que j'ai trouvé, un autre qu'on va sûrement que les gens vont se rappeler, notre fameux double J, Jeff Jarrett. Ça, c'est sûr, je vais m'en souvenir. J'espère que tu vas t'en souvenir. Lui, arrivait OK, I am J-E double F, J-A double R, E double T. That's double J, Jeff, Jarrett. Et hey, seigneur, il ne faudrait pas qu'il se mélange, hein? <laughs> S'il se mélangeait, je vais te dire, Marc, là, ça aurait été vraiment là, ouf. Ouais. Oh là ouais. là. OK. Un autre que j'ai trouvé vraiment que c'était. Hey, là, tu recules vraiment, mais vraiment loin. Notre bon ami AXA Jim Duggan. OK. Lui, il y en avait deux qui disaient. Il y avait deux, deux cash phrases. Okay. Sa première, quand il faisait son pouce comme ça, il disait, ouais. ⁇ Hey there, tough guy! ⁇ C'est vrai, c'est vrai. Et après ça, On il devenait son... du... Oh! Oh! Mais yeah. il y avait plus le tough guy, le maison. Ouais, de... c'est ça. Oh, il ouais, faisait ouais. son... Uh, USA, USA, ouais. USA. Ouais, ouais, ouais. Ça fait il, ça, venu, ça, il... Un... il était venu à la TOW euh, et euh, un autre qui a battu Anselm GF assez facilement. Ah, c'est vrai? <rire> OK. <rire> ben oui, ben oui, ben oui. OK. Oh. Ensuite, dans mes autres recherches que j'ai trouvées, hé là, là j'en ai trouvé, je vais te dire, Marc, c'est fou, là. Euh, si on va avec, oh mon Dieu, John Morrison. OK, c'est sûr, sûr que... John que... Morrison. OK, vas-y. Moi, je ne connaîtrais Il pas disait, ça. I am the shaman of sexy. OK. Lui, non. il disait ça. ça il n'a pas dit souvent cette phrase-là. OK, mais ben, tu ça, ben, c'est quelque chose ça. que. Okay. Ça, il y avait ça. Un autre que j'ai trouvé, notre bon ami Kurt Angle. Mm -hmm. Kurt, tu te rappelles, Marc, il était supposé de venir à Sherbrooke. Oui, c'est vrai, il était à sur l'affiche. Oui, il était sur l'affiche, il était supposé avoir un combat contre AJ Styles, si je ne me trompe pas. Ça se peut bien, parce qu'AJ était là. Oui, et j'ai eu la chance, on avait la chance d'embarquer sur le ring, on moment de lui serrer la main, tout ça. Donc, euh, lui, sa phrase, tout le monde devrait la savoir, ceux qui les, les connaissent, lui, il disait tout le temps, It's true, it's damn true. Oui, 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 <laughs> oui, oui. oui, oui. C'est bon, bon, ça, ça, écoute, c'est tellement que tu nous ramènes, Je te ramène, vas-y. Je te ramène encore dans les années 80, 90, presque 2000, Non, pas 2000. Mon équipe préférée qui était dans le temps, les fameux Road Warriors. Mm -hmm. Road Hawk, Road Animal et Road uh, Warrior Hawk. Mm -hmm. Lui, il disait toujours oh, what a rush! Celle-là, d'après moi, on va se retrouver dans le top 10, celle-là. Ouais, ben, celle-là, euh, ça c'en est une qui est, qui, est, qui est très connue. Aussi, ben. Un autre qu'on aimait très bien aussi, que les gens sûrement vont se rappeler, notre cher ami Mick Foley. T'sais, Mick avait vraiment trois personnages. Il y avait Mankind, Dude Love et Cactus Jack. Exact. Et qu'est-ce qu'il faisait, notre ami Mick Foley, à la fin de ces choses? Have a nice day! <laughs> exact. 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 Ça restait, ça restait. C'est encore, encore fort. C'est encore très fort même, je te dirais, là, même s'il est plus, des fois il va venir à la, à la lutte, mais pas tout le temps, non, mais ça va rester marqué, cette phrase-là. Je pense que <laughs> ça va être... Oui, euh... oui. Ouais, ben, toutes les phrases, toutes les citations que tu nommes aujourd'hui, oui. ben, le fait que tu nommes, il reste marqué. Là, les gens... En tout cas, moi, je m'en souviens de la majorité. Il y en a, il y a des bouts euh, où j'étais débranché de la lutte, là, mais euh, uh -huh. t'en as-tu encore une couple d'autres? Ah eh oui, j'en ai encore d'autres, mon cher. Regarde, écoute, euh, j'ai Ah, celle-là, on l'a entendue souvent dans la WCW et avec la ECW. Notre bon ami Raven. Ah, Seigneur, je le vois, je le vois, je le vois le dire là. Mais aide-moi, Il disait, quote the raven, Never nevermore. More, nevermore, c'est <laughs> ça. Oui, 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 oui. Encore pour les nostalgiques, retournons avec Scott Hall et Razor Ramon. Lui, il avait toujours sa catchphrase qui disait tout le temps c'est hello to the bad guy. <laughs> <laughs> Ceux qui sont sur euh, Spotify ou autre chose, débarquez, puis allez l'écouter sur YouTube, juste voir les faces de Sylvain. <laughs> ah, ah, bon, ah, J'aime ouais, ouais. l'expressif, je suis très expressif. C'est bon, c'est bon, bon. Tantôt, on a parlé de notre ami euh, Rick Flair. Tu as, ouais. as, as fait le fameux wouhou! Ouais, ouais. Mais te rappelles-tu ce qu'il disait aussi à un moment donné, son autre catchphrase? C'était quand même assez long, ce qu'il disait. Ouais. Euh, vas-y, vas-y. Il disait, « I'm a kiss-stealing, wheeling-dealing, limousine-riding, Jeff and son of a god. » Ouais, j'étais pour te dire tantôt, le mot limousine, ça me disait de quoi. Euh, ouais. Mais oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Lui, lui c'était tout... Ben, c'est un personnage très coloré. Ah, ben, vois-tu justement, ben, j'ai vu cette semaine, je crois, il était avec, euh, il est allé à AEW, il était avec Sting, tout ça, parce que ouais, Sting ouais. se prépare pour son dernier match. Là, exact. Est, exact. Donc, exact. Euh, OK, on retourne encore en arrière. On va aller avec Zack Ryder. OK. Zack Ryder, lui, a commencé le c'est un personnage qui était quand même coloré. Oui. Et lui, il arrivait sur la ring et qu'est-ce qu'il faisait? «Woo! Woo! Woo! You know it!» mm -hmm. C'est bon, c'est bon. OK. Ensuite, on avait aussi, dans le temps, tu te rappelles peut-être aussi, de Edge et Christian. Lorsqu'ils étaient, ils faisaient équipe ensemble. Oui, oui. Ils disaient «OK, we're going to take a five minutes for flash photography». Il disait ah. ça à un moment donné. Deux Canadiens. Ben oui, nos deux bons Canadiens. Ben justement, parlant de Edge, je l'ai vu à Montréal au mois de décembre, lorsque la AEW sont venus. J'étais au show de Dynamite et Collision. J'ai trippé comme un fou. Ah oui? Ah Adam oui, Copeland, hein? Il faut l'appeler ouais. ça comme ben, ça. Il est rendu avec Adam Copeland maintenant. Mais donc quand j'ai vu le show à Montréal, j'avais jamais vu la AEW. Et je peux te dire, Marc, et je dis aux, aux gens qui nous regardent, allez voir le show à Québec ou quand ils vont revenir, s'ils reviennent à Montréal, c'est un show à ne pas manquer. Bon, – ça, 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 ça va leur faire du bien parce que il euh, y a beaucoup de commentaires négatifs qui à, circulent. Ils oui. ont de la misère à vendre des billets. C'est ben, sûr, sûr que le fait que le monde paye un billet à un prix de fou par la dernière minute, le gars à côté de toi il a payé... Euh, la moitié ben oui. du prix et plus, ça l'aide pas, là, mais que veux-tu? T'as tout à fait raison, mais moi, en tout cas, quand je suis allé, moi, en tout cas, j'ai eu deux bons C'est ça, c est c ça qui est bonnes. important, de te triper ça. OK, je te laisse en euh, deux autres. OK, deux autres, OK. Ben, on va terminer, on va finir ça en beauté. Comme moi, là, je vais te dire, j'ai. Je peux te dire, c'est de méditations préférées. ok Tout d'abord, on va y aller avec le regretté Edouard Carpentier. Ben oui, ben oui. Et on va se dire aussi, on se dit à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ben oui, ben oui. Et pour finir en beauté, ça, celle-là, je l'adore. Avec qui? Soyez-y, mesdames, messieurs, <laughs> la semaine prochaine. Tête, tête. <laughs> te tu te souviens-tu de celle d'Édouard? Croyez-moi, ça fait mal. Oui, hein? oui. C'est oui, oui. fou. Il a même fait une, euh, je pense qu'il a fait une pub là, pour un, un produit là que ceux qui avaient mal à quelque part là. Oui. Euh, euh, tu sais des catchphrases ça peut t'amener. Garde le sim, c'est mon catchphrase qui est devenu un podcast. Puis, oui, euh, oui. c'est c'est tu sais jamais. Tu Sim simmania. Mes shows, oui. ça vient de sim. Soyez mesdames, messieurs. Fait que, ben un... oui, mais c'est une très bonne idée en tout cas. Euh, Garde Écoute, je, dire, Sylvain, un truc, je pourrais continuer encore et encore, il y en a tellement, tellement. Mais j'aimerais que, que tu me rappelles, oui. c'était quoi la selle à Le Tourneur? Je sais que Le Tourneur en avait une. Ben, souvent, il, il copiait euh, euh, Préparez-vous à Rambler. Mm -hmm. Préparez-vous à Rambler, qui était le, le français de Let's Get Ready to Rumble. Oui. Euh, Puis écoute, c'était quoi, euh, Le Tourneur? Seigneur, là tu demandes un gars qui n'a pas de mémoire ça va ok c'est pas grave Mais s'il l'entend, il va nous écrire puis je le rajouterai Ok en tout cas s'il est à l'écoute, Michel s'il nous écoute je le salue puis en même temps aussi je salue PCO. Ben oui PCO aussi a été ah oui écoute son deux pieds de bras puis son style là là quand on ouais. était RDS, là, c'était bon. Écoute, uh -oh. Sylvain, j'ai bien apprécié euh, cette entrevue-là et je te suggère de toujours checker euh, sur le groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. Je mets des pauses puis euh, je demande aux gens de, de participer. J'aime vraiment ça. Fait que si okay. tu vois à un moment donné euh, des, euh, un thème, d'épisode qui t'allume, tu ne te gênes pas, écris-moi puis on, on, euh, on va refaire ça. Bien, ça va me faire plaisir, Marc. En tout cas, j'ai bien apprécié. En tout cas, garde, écoute. Euh, félicitations pour ton podcast. Moi aussi, merci beaucoup. Félicitations pour ta recherche. C'est vraiment très intéressant et au plaisir de te reparler bientôt. Bien, on s'en parle quand tu veux, Marc. On s'écrit et puis on se donne des nouvelles. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour sur le podcast Soyez-Y, mesdames et messieurs, après Sylvain Fadis. Non, Fa 9 et hey, hey, bon, bon. hey, tous ceux qui ont aimé cette blague, achetez une participation de 20$ et mentionnez-le dans votre message que c'était un bon jeu de mots. Mais ce qui est drôle, parlant de ça, c'est tous ceux qui m'envoient, euh, soit pour le livre, en passant, le livre est encore disponible. À chaque semaine, j'en poste. Euh, oui. On n'en parle plus, depuis qu'on n'en parle plus, j'en vends plus. Ben, fait que on en parle là... plus. On en a parlé la semaine passée, là, que le... Oui? le livre était là les cartes, les fameuses bannières, ah, oui? le livre de souris, les, vins en... à, les verres à bière, les verres on à vin, les pas. verres à cognac, tout ça qui vient avec le paquet. C'est incroyable là, pour 20 ben, Je te dirais que tu exagères un peu. Là. Mais euh, tout, ce que je m'en allais dire, c'est que tous ceux qui m'envoient de l'argent, que ce soit pour nos. Euh, nos voyages, que ce soit pour euh, euh, le livre ou autre, leur question a toujours rapport avec le podcast. Il y en a que c'est amnésique, il y en a que c'est sim, il y en a que c'est… Les, les réponses à, à questions de la banque, là, ouais. suis tu le suis-tu ou tu as de ben, l'air perdu? Suis... Okay. Je suis certain, Marc. OK, tu avais de l'air perdu. Là. Fait que, pas en euh... tout, pas en tout. Je t'ai OK, je sais, les, quatre les, les, sur... les Les questions pour encaisser l'argent, la, la, elles sont tout à fait reliées au podcast. C'est sûr, c'est. Tes cartes, Il y en a des mais drôles, j'imagine. Toi, tu en as deux. Ton fameux Incroyable, c'est ouais. une citation, mais tu l'as développé euh, sur le podcast parce qu'on a même un T-shirt qui est euh, disponible. Ouais. Et euh, ça, euh... ça se vend en plus, hein, le T-shirt Incroyable. Combien qu'on en a vendu déjà? Euh, deux. Donc, un que tu m'as donné? Un que t'as, et un que j'ai. Ah, mais écoute, hey, ça, ça s'est <laughs> vendu. Là. On va faire une ré réimpression là, pour les fans. Euh, oh, je serais dû là, pour faire euh, envoyer les, les images des différents... De cas, on verra, on verra. Je manque de temps un peu. Puis, euh, je vais arrêter d'en parler puis je ne m'en souviendrai plus. Ouais, C'est sûr. Pas... Hey, un um, amnésie, mesdames, messieurs, là, ça, ça se vendrait. Moi, celle que j'aime... Euh, de ta, ta catchphrase pour moi c'est quand tu rentres sur le ring le monde te crie chou, puis que tu leur dis style arrêtez sinon je m'en vais ouais ça c'est ou comment comment tu le dis exactement là si vous arrêtez pas je m'en vais tout de suite ou au début je demande des fois je demande le silence puis si vous arrêtez pas je m'en vais chez nous tout de suite puis le pire c'est que j'ai tout le temps fait ça c'est très haut du coup comme promo puis la NSPW me book pour la première fois puis là bas la Nspw c'est des gens qui aiment la lutte puis des fois je me faisais mettre monter dans la tête que c'est mon personnage NSMJF. ouais c'est trop haut du coup ça marchera pas ça marchera pas là, ça me joue dans la tête puis là je me rends là le premier soir je me dis non non c'est pas vrai Regarde, moi j'ai fait ma carrière avec ça j'ai commencé avec cette phrase là puis le, le plafond a explosé ça a toujours marché ça va toujours fonctionner c'est peut-être tu sais j'ai le personnage qui va avec je suis baveux mais ça à chaque promo je le fais puis tout le monde va dire Ouais, c'est redondant, mais à chaque fois, j'ai de la réaction. Je vais continuer à le faire jusqu'à ma mort. Moi, je trip, Je tripe quand tu fais ça, c'est certain. Mais tu ne le feras pas à Sim Mania 4. Bon, non, euh, hey, euh, parle-moi euh, pas de Sim Mania 4. bol. <laughs> euh, écoute, moi, de mon côté, euh, ce qui oui. est drôle, c'est que souvent, encore aujourd'hui, je me fais demander ma catchphrase de ski. Ouais. Et ça, ça m'assomme. Combien de euh... temps tu as fait ça, le ski? C'est pas une si longue période de temps, non? Écoute, euh, peut-être une dizaine d'années okay. à, à RDS, peut-être moins. Ah Lynn! Euh... Mais regarde, ma, ma, gang, ma gang de baseball là, euh, à l'Assomption, m'avait demandé de, quand on a fait un petit vidéo, puis tu finis Bon Ski Bon Snow, mais ceux qui ne t'ont pas connu au monde de la lutte, ils connectent avec toi pour bon ski bon snow, versieux. Fait que c'est. Tu international avec ça. Mais, mais c'est surprenant. Ouais. Surprenant ce que tu peux dire qui accroche. Puis, tu notre podcast s'appelle Soyez-y, mesdames, messieurs. Ouais. C'est la phrase qui, euh, qui me résume le mieux dans le monde de la lutte. Ouais. J'en ai d'autres, moi. T'sais, ai, involontairement, il y en a qui sont sortis. Puis, tu le sais, quand qu on fait TNA ensemble. T'attends, puis tu me dis, il hey, faut que tu fasses, c'est Moi, je t'ouvre la, la porte sur tes, sur tes classiques. Tu sais, l'arbitre demande le prix, on ne parle pas de fromage. Pourquoi j'ai sorti ça ben, et, Mais c'est là depuis presque 40 ans, tu mm -hmm. Peut-être pas 40 ans, mais peut-être 35. Euh, la foule est en délire, The Fool is in the, the Liar. La ouais. table est mise, The Table is put euh, J'aime bien à chaque fois qu'il y a une souplesse. Corps à corps, <laughs> chanter corps à corps avec toi, mais je chante chante... corps à corps avant. Ben oui, ben, ou? oui okay. ben oui, ben oui, ben oui. C'est moi qui embarque dans la chanson, j'aime chanter. Fait que tu sais, déjà, je suis chanceux d'avoir plus qu'une citation ou une catchphrase ouais, ouais. que les gens se souviennent. C'est tout simplement incroyable. Et là, on est prêt à passer à notre deuxième invité et que j'ai hâte de l'entendre. On va faire Mathieu Lavigne et par la suite, on va aller voir rapidement le sondage parce que vous avez réécrit, ajouté des catchphrases. Alors, je te laisse présenter ton ami et pour la suite de ce podcast 156. Troisième anniversaire. Eh oui, c'est comme une flûte. Euh, pas de flûte, pas de champagne. Ça va mal nos affaires, Marc. Je pense que. Ouais, mais on... j'ai encore des souvenirs du premier anniversaire. Pas sûr que tu en as beaucoup. Premier anniversaire, on s'en rappellera le, le, pire, le pire, c'est que j'en ai plus du premier anniversaire que tout le reste dans ma vie. Ça va pas Puis bien. Dans l'état que tu étais, du tabouret, tomber sur le dos d'un guitare à Pierre aussi qui est resté ton ami après ça. Incroyable. Ouais. Et moi, moi j'ai gard... gardé, je ne sais pas si on pourrait le diffuser. Le message vocal que tu m'as laissé ce soir en revenant <laughs> chez vous, je pense que je l'ai encore. C'était quelque chose. Hey, faire ça. Mais si, mais si tu l'as, essaie de me l'envoyer si tu peux. Je ne vais pas juste si, essayer, je vais te l'envoyer. Si c'est passable, je l'envoie à David pour qu'il l'ajoute là. OK, parfait. Alors, sans plus tarder, le deuxième invité sur le podcast, il est de retour pour terminer. Non, non, il est de retour pour faire son top 5 sur les catchphrases qu'il préfère dans le monde de la lutte. Mon ami Mathieu lave la vigne. Alors, vous le reconnaissez avec cette moustache dégradante. Bon matin, monsieur Blondin. <laughs> Mathieu Lavigne est avec nous et Mathieu, tu fais partie euh, d'un des deux invités cette semaine euh, pour clore le, la troisième année 156. Épisode 3 x 52. Incroyable, hein? Wow! Ben, félicitations, M. Blondin, c'est un, euh, un excellent track record pour un podcast québécois. Euh, je suis content, je suis content. Puis on a encore beaucoup de fun à le faire. Fait que, mais tu sais, des gens comme toi, des gens comme Bertrand Hbert, euh, les, les membres du groupe qui embarquent, les invités euh, spéciaux qu'on a, c'est le fun. Puis les sujets. Vrai que... Les sujets, c'est toujours le fun aussi. C'est vrai que vous en avez des spéciaux sur votre podcast. <laughs> en particulier votre co-animateur. Ouais, Qu'est-ce que tu veux? Votre co-animateur euh, qui essaye d'imposer ses propres catchphrases sur vous sans arrêt. Ouais. Ouais. C'est pas évident. Mais euh, comment je pourrais dire ça? C'est un. Euh, c'est le gouvernement qui propose un, euh, un plan de réinsertion euh, sociale. Euh, il paye 95 de son salaire. On ne ferait pas pour euh, sauver de l'impôt, hein? En plus, c est, c est, il ne me coûte rien ou à peu près rien. Je sauve de l'impôt, euh, je fais une bonne, une bonne action. Fait que, ah, euh, la générosité euh, tatouée oui sur le cœur. Eh, eh Seigneur, oui, ouais Écoute, là j'ai hâte de t'entendre sur le thème de cette semaine, sur les catch phrases euh, dans le monde de la lutte. On, a, on va, après l'entrevue, on va parler du sondage qui a été fait sur le site, puis un peu ce que les, ouais, ouais, ouais. les membres ont sorti et tout ça. Euh, ouais. Mais j'ai hâte de t'entendre, toi, même si, euh, euh, encore une fois, lors de ta présentation, il a espéré que tu finisses ton top 5 sur les costumes. Ah, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour les costumes. <laughs> je regarde comment tu es habillé et je te dirais non. Non, je sais, J'ai je... attendu une petite seconde, je vais juste enlever mon, mon coton ouaté. J'ai chaud justement, je me demandais pourquoi. C'est sûr, c'est sûr. C'est très, très radiophonique ce qui se passe là. <laughs> ouais, ah. en plus t'es bronzé, fait que c'est bon. All right. Ça c'est le non, moment des trois dernières années. Ouais, <laughs> euh, ben c'est parce que je suis en train de suivre, je me dis « voyons, pourquoi j'ai chaud de même du dos et je n'avais pas enlevé mon coton ouaté ?» Euh, ah. Avec les spots puis tout, là, il fait à peu près 35 dans, dans le studio. Fait que... et, et la pression, la pression d'être sur, sur le soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, comment tu oui. me passes ça? Ben, moi, je suis un amoureux des catchphrases. J'adore l'idée de participer à, à ce, ce podcast-là. Parce que pour moi, un bon catchphrase, ça peut faire une carrière. C'est aussi important. Qu'un finish, je pense même que c'est plus important qu'un bon finish pour un lutteur. Euh, un catchphrase, c'est comme un jingle marketing, c'est comme c'est l'image d'un brand, c'est tellement important. Je pense pas que tu peux être un grand lutteur si tu n'as pas un bon catchphrase auquel tu pourrais t'associer, ou plusieurs catchphrases. Euh, un bon. C'est vrai, je suis 100% d'accord avec toi, ouais. Je prenais. Euh, j'ai fait un brainstorm, j'ai pas été voir le sondage sur votre groupe pour pas justement influencer mes, mes réponses. Je voulais y aller de mon, de mon cru. Euh, en dix minutes, j'ai noté deux pages de catchphrase juste en, sans y penser trop, trop, euh, trop intrinsèquement. Je me suis dit, OK, il faut que je trouve une façon de séparer ce qui est juste un catchphrase euh, d'un excellent catchphrase. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Euh, j'ai plusieurs critères que, que j'ai notés pour, euh, pour être capable de séparer le. le... J'oublie le, l'expression, mais en tout cas, ce qui est bon de ce qui est mauvais. Le grain okay. est délivré. Le, le, le catchphrase doit être rapide, euh, peu de mots, peu de syllabes si possible. Euh, le catchphrase doit être unique à un lutteur, au sens où un lutteur qui essaierait de l'imiter pourrait pas réussir à s'en sortir. Il doit être adap adaptable à la situation, c'est-à-dire à au type de foule. Euh, il doit faire embarquer la foule. Le catchphrase doit fonctionner que le lutteur soit bon ou méchant. Il doit vendre la merch. Euh, quoi d'autre? Euh, ça peut être un running gag aussi. Je pense, à, mettons, à, au, au dem de Ron Simmons. Euh, il faut que ça résume super bien le personnage ou le brand. Euh, le AO de Scott Hall, par exemple. Exact, exact. Euh, le, il faut que ça appelle le public. Le WhatsApp de R-Truth, c'est un bon exemple aussi. C'est quelque chose qui peut répéter ad nauseam, puis on ne pas. Euh, simple, accrocheur. Je pense qu'on on a quelque chose là-dedans. Fait que ça a éliminé euh, pas mal de catchphrases. Fait que partir, déjà, hein. déjà, je trouve que tu es... Tes critères, euh, ouais, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous sortir, parce que tes critères sont tough. Ils sont tough, mais tu sais, quand... Quelqu'un qui, chaque... co qui coche toutes les cases, là. Euh... Ouais, ben c'est ça, on, on s'entend qu'il n'y a pas de grands catchphrases qui vont, qui vont cocher toutes les cases, mais le plus que tu en coches, le mieux c'est. Mais ben, tu sais, quand chaque cutter puis son frère a un catchphrase ou deux, euh, il faut, faut, faut trouver une façon de, de les séparer. Okay. Fait qu'on y va avec euh, mon numéro 10. Euh, celui-là c'est plus personnel scissor me daddy j'adore ce catchphrase là ne serait-ce que parce que ça résume pour moi toute la beauté de la lutte c'est-à-dire avoir une gang de dudes de 18 à 35 ans euh, des hommes du sud des États-Unis qui font le ciseau entre eux sur, à la télévision live, tu dirais à ces hommes-là hey tu veux-tu aller avec ton meilleur chum à la live faire le ciseau ils diraient ben non, mais dans le cas de la lutte, parce que c'est de la lutte on est capable d'aller entre nous autres ce ciseau euh, puis faire une, euh, une catchphrase qui, qui est somme toute assez au homo érotique quand on y pense, à cause du double sens. Fait que celle-là, je l'adore parce que tu pourrais pas. Je me servirais de ce catchphrase-là pour illustrer à quelqu'un à quel point la lutte, une fois que tu embarques dans l'univers de la lutte, il n'y a plus rien qui compte euh, de l'univers extérieur. Tu embarques complètement dans, dans la lutte. C'est weird, c'est. C'est parfait comme catchphrase. Scissor me, daddy ass. J'adore ce catchphrase-là. C'était qui que ça, ça? Parce que moi, ça ne me dit rien. C'est uh, The Acclaim et Billy Gunn à la à AEW. OK, OK, que j'écoute ouais. pas. OK. OK, bah, The Acclaim, c'est. Euh, moi, je pense que c'est un excellent exemple d'un tag team qui existe, ne serait-ce qu'à cause de sa catchphrase. Okay. Parce qu'on a Max Caster qui rentre toujours en faisant un peu de freestyle. Euh, ils ont la catchphrase Everybody loves the acclaim, mais tu sais c'est quand même assez euh, quand ouais. même assez vanillé comme, comme catchphrase. Mais à la seconde qu'ils ont sorti le Scissor Me daddy ass », j'ai l'impression que tout le monde en arrière en fait pause, on a quelque chose. Okay. Il faut que ce moment-là on l'encapsule. Euh, depuis on vend des t-shirts, ils vendent des ciseaux en mousse pour les gens euh, oh, qui sont présents. Ouais, ouais. Ils, le catchphrase est parfait parce qu'il te donne envie d'aller sur place voir le show juste pour dire j'ai hâte de faire le ciseau. J'ai hâte d'aller sur place crier scissor me dalias en même temps que Max Caster puis, euh, puis Billy Gunn. C'est un catchphrase qui est parfait. Euh, numéro 9, le bang de DDP. Ouais. Un seul mot. Euh, ouais. Il le fait à l'entrée. Ça vient avec le diamant à l'envers. Mm. Euh, tu peux pas. Tu ne peux pas séparer DDP du mot bang. C'est sûr que ça a donné des, des moments weird où ce qu'il disait, You're gonna get banged by DDP. Ça change un peu l'image. Oui, c'est ça. Tu ne veux pas te faire euh, finger bang par DDP nécessairement. Mais le bang, c'est parfait. Il dit après son cutter, il dit quand il gagne un match, il dit quand, quand, il, quand il reprend un peu du poil à la bête, il, il dit dans ses promos, c'est sur ses T-shirts. Euh, c'est un. Puis en plus, c'est original. Je veux dire, le mot bang, c'est pas juste comme. Euh, c'est pas un let's go, c'est un bang. Ça représente tout ce que représente DDP. Euh, puis tu peux pas séparer DDP du mot bang. C'est... Puis dans le cas de Diamond Dallas Page, quand il fait avec ses, son geste sec, euh, dans le ring, tu sais quand qu il yep. rajoute le, le, le geste là... Euh... de casser le diamant, puis il recule un petit peu comme s'il y avait vraiment eu une explosion. Ouais, c'est un catchphrase qui ne peut pas être imité non plus. Je pense que Canyon le faisait très bien, mais il était ami dans la vie. Mais euh, ouais, c'est un, un bon catchphrase de DDP, puis tout son brand aujourd'hui de DDP yoga repose sur le mot bang. C'est oui. bon, c'est bon. Numéro 8, yes, no, parce que c'est le, le, le départ d'un mouvement de lutte extrêmement important euh, où les fans ont commencé à prendre plus de place, envoyer le message à la WWE de On aime, on n'aime pas ce que vous nous proposez. C'est l'affaire avec Daniel Bryan qui euh, mm -hmm. qui, qui a commencé avec no, qui c'est qui est devenu yes quand il est devenu un, un face. Euh, c'est un exemple parfait de, de, de catchphrase qui est adaptable, qui est rapide qui a vendu combien de t-shirts? Des, des no, non, non, yes, yes, yes. Euh, ça, ça a mené, j'ose dire que ce catchphrase-là, parce qu'il incluait la foule avec lui, ouais, ouais. Euh, l'a mené jusqu'à la finale de WrestleMania. Euh, a aidé à partir une feud incroyable avec Triple H, avec l'espèce de système qu'il y avait avec Stephanie McMahon, avec Seth Rollins. Euh, puis j'ose dire que ça a même aidé à partir de la AEW en ayant Daniel Bryan qui se pointe puis la foule qui a scandé Yes le premier soir mm. Bryan a vite fait comprendre que c'était malheureusement pas marketable il pouvait pas s'en servir pour faire de, de la merch ou de l'argent à la AEW mais ça reste un catchphrase qui va probablement perdurer dans le temps puis qui représente tellement bien un lutteur qui représente une ère complète de la lutte c'est le, le, le Yes Era à ce moment-là où la foule commençait à choisir un peu ses préférés, puis disait, euh, OK, on, on est allé du euh, de, de, de la vieille garde euh, qui, qui prend toujours le même genre de décision, le même genre de booking. On veut avoir une espèce de... On est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère mm. du euh, 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 le feedback on... instantané. On veut participer. On veut partir exactement. Puis le Yes No, ça encapsule parfaitement ce, ce, cet état d'esprit-là des fans de, de 2020. Puis c'est noir ou c'est blanc, ils n'ont pas fait de t-shirt, maybe. C'est vrai, un hein? <laughs> <laughs> bon t-shirt, maybe, maybe, maybe. <laughs> Numéro ouais. 7, Devon, Get the Table. Ah. Tu peux pas séparer les Dudley Boys de ça. Puis je pense que les Dudley Boys ne seraient pas considérés comme une des peut-être top 2 top 3 meilleures équipes de tous les temps sans le Divan Get the Table. Puis un catchphrase ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis ça n'a même pas besoin de faire de sens. Sort Divan Get the Table de, de l'environnement de la lutte, ça fait aucun sens. Non. Mais dans le milieu de la lutte, y a t une fois où une table se fait sortir dans tout du ring sans qu'on pense à Divan Get the Table mm. puis euh, est adaptable parce qu'à chaque fois que Bob Ray va mettons euh, Va être dans un combat, puis il va vouloir sortir à une table. La foule va-tu être comme, OK, son, son, son partenaire c'est mettons Macklin. Ben, la première affaire qui devient en tête comme fan, c'est Macklin, get the table. Mm -hmm. C'est ah ouais, ah ouais, ah ouais. tellement un beau catchphrase, c'est plus beau que la lutte des Dudley Boys, qui, OK, ils faisaient des, des bons combats, mais on avait juste ça au moment où, où Baba allait fixer Divan au loin, puis on savait ce qui s'en venait. Fait que là, comme foule, t'es. Tu l'anticipes, la catchphrase. Tu as vraiment hâte d'être là pour participer au Divan Get the Table. Excellent. Excellent. Ouais, numéro 6, mon catchphrase préféré en ce moment. Puis un catchphrase qui va faire de ce lutteur-là une grande star, j'en suis convaincu. Euh, C'est à la AEW. C'est la catchphrase Whose house de Swerve Strickland. Euh, ce catchphrase-là est parfait. Il est rapide. Euh, c'est un catchphrase en plus que la foule peut partir pendant ses combats c'est-à-dire pendant que pendant que tu sais Swerve est, est censé être un méchant mais avec un catchphrase qui le représente aussi bien qui représente aussi bien son cockiness son personnage euh, la confiance qui émane le charisme qu'il a de juste arriver et dire whose house puis les gens qui l'aiment ou qui l'aiment pas sont obligés de dire Swerve's house ouais, ben, ce catchphrase là va survivre puis je pense que ça va faire de Swerve un, un une, une star de main event dans l'année si pas les... Parce qu'il est déjà bien Il a complètement avalé euh, Hangman Page pendant la oui. rivalité. C'est au point où Hangman Page avait l'air d'un peewee à côté de Swerve. Swerve fait déjà d'excellents combats, mais avec une catchphrase parfaite comme « Whose house? » qui peut être partie par la foule, qui peut être partie par Prince Nana, qui peut être partie par lui-même. Tu peux la partir pendant le combat, tu peux la partir avant, tu peux la partir après. Qu'il soit face ou qu'il soit heel, il va toujours avoir des gens qui vont dire whose house, puis une autre partie de la folie qui va répondre swerve's house. Peu de syllabes, peu de mots, ça représente tout ce qu'on a besoin pour swerve. Euh, C'est ma catchphrase préférée en ce moment. Swerve's une, house. Une comme celle-là, d'après toi, à part comment? comment Comment que ça vient, ça D'après moi, bah, c'est un, un guest. Je veux dire, je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai l'impression que c'est le genre de truc qu'un gars comme Swerve, qui, qui a l'air exubérant puis qui a l'air cocky dans la vie, c'est le genre de truc que tu, que tu imagines quand tu es un méchant. Tu es comme non, non c'est chez nous ici. C'est un peu comme, le page, comme Page qui crie euh, sur Raya, uh, This is my house. Mais lui, il a amené une coche plus loin parce qu'il a rajouté une interactivité avec la foule. Ouais. Whose house? House. Il pose la question, c'est ça. Il pose la question, mais il n'y a ouais. pas plus qu'une réponse, par exemple. Parce exact. que La foule ne répondra jamais Hangman Page's house. Ouais, c'est euh, ça. Puis c'est parfait, parce que même si tu ne l'aimes pas, tu vas avoir le réflexe de dire Whose house? Swerve's house. Ouais. Quand tu dis, par exemple, qu'il y a juste un choix de réponse, faut pas que tu oublies que Jean-François Kelly pourrait être dans la foule. Ah, oh, mon dieu, oui, puis partir. Euh, ouais, à la AW, une chance qu'ils font pas de house show. <rire> <rire> OK. Fait que, euh, Numéro quatre, 5. T'en as deux qui sont euh, All Elite. Euh, ouais. Euh, J'ai failli inclure le celui de MJF aussi qui est I'm Better Than You and You Know It. Mais c'est un peu long, puis pour l'instant, ça n'a pas encore collé à, autant pour moi. En tout cas, je sais que la foule aime bien le scander à cause de la popularité d'MGF. Moi, je ne suis pas encore vendu, je trouve ça un peu trop long. Euh, le, la partie And you know it, c'est correct, mais c'est trop long. C'est un peu comme I'm the Miz and I'm awesome, qui est, qui est un des pires catchphrases pour moi. Beaucoup trop long, absolument pas original. Tu es obligé dans ton propre catchphrase de dire And I'm awesome, comme s'il fallait que tu expliques. Ton I'm de mise, je sais pas, je suis pas vendu encore à celui d'MJF, mais il est jeune, il y a du temps pour se trouver quelque chose qui va naître. Tu sais, une autre affaire qui fait un bon catchphrase, c'est que qu'il n'est pas forcé. Ouais. Des catchphrases qui sont forcés, puis à chaque fois, tu es comme Ah, il essaye vraiment d'en faire un brand, mais ça colle pas. Ouais, ouais. ouais. Numéro 5, euh, je me suis dit aussi juste un par lutteur, parce qu'on s'entend que des gars comme Austin, il euh, y a eu des catchphrases en masse. Mais euh, mettons, le, mettons oui. Austin, là, ouais. ça m'a fait rire parce que pour moi, c'est le L yeah. Tu sais, c'est ça. Première affaire qui me vient en tête, c'est ça. Ben, c'est mon numéro 5. Ah, oui, pour le vrai. Parce ouais. qu'il y en a qui c'est beaucoup le. Because Stone Cold said so. Tu sais? Ouais. Moi, je ne l'aime pas, celui-là. Ben, tu vois, ouais. Colin, on a de quoi de commun? Ouais. À part Puis notre grand-mère méchant <laughs> « Cause Austin 316 says I just whipped your ass », c'est son premier catchphrase, mais il n'invite pas la foule à participer, à part peut-être le scandale en même temps, ce qui n'est pas... Puis là, ça fait que c'est pas adaptable parce que tu ne peux pas le dire dans un autre contexte, tu ne peux pas le dire euh, d'une autre façon, tu ne peux pas le dire lentement. Euh, fait que pour moi, le meilleur catchphrase d'Austin, au numéro 5, ce serait « Gimme a hell yeah ». Parce que, après, j'ai frisson, j'essaye j'essaie de penser... T'as 18 000 personnes qui Mais crient excuse. en même temps, Hell Excuse, yeah. excuse. mets ton coton ouaté. Oui? Ben, t'as des frissons. Ah, oui, c'est. Bon, ça, c'est la soeur de tantôt qui commence à, à refroidir avec euh, la. les frissons, c'est comme dirait l'autre, I got the chair to pull us! Oui. C'est drôle parce que entre le numéro 2 et 1, je vais avoir quelques mentions déshonorables <laughs> et puis, euh, ouais. Mais c'est vrai en fait... que d'entendre la foule répond, What? C'est uh, yeah, je veux dire, pas what, mais hell yeah. yeah. Ouais. C'est ouais. hot. là. C'était parfait. C'était parfait comme catchphrase. Puis euh, si vous voulez que Stone Cold Steve Austin donne un stunner à Vince McMahon, give me a hell yeah. Tu peux, tu peux demander ce que tu veux à la foule. Elle va répondre hell yeah. Si vous voulez que j'aille un combat de championnat ce soir, euh, give ouais. me a hell yeah. Puis, ça peut rajouter encore plus de heat s'il y a un refus après. Puis, bref, catchphrase ouais. parfait pour Austin. Rapide, hell yeah. On passe, tu sais. C'est son meilleur catchphrase pour moi. Cool. Numéro 4, « My name is Paul Heyman. Euh, » Ce catchphrase-là arrête le temps. Peu oh, importe ouais. ce qui se passe dans le ring, il suffit que Paul Heyman approche un micro de sa bouche. « My name is Paul Heyman. » Il peut la dire n'importe quand. On le sait tous que ton nom, c'est Paul Heyman. Ouais. Mais quand il dit « My name is Paul Heyman », il y a comme un... On devient sérieux pendant une seconde. Tout s'arrête. Puis on a Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Puis peu importe ce qu'il va dire après, on est pendu à ses lèvres parce qu'il vient de dire Mon nom, c'est Paul Heyman. Là, on l'associe tout de suite à l'avocat ou à un professionnel ou le représentant officiel de quelque chose, puis on est « OK, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Paul Heyman? Puis il n'y a pas grand personne au micro qui sont capables de commander l'attention autant que Paul Heyman qui fait juste dire son nom. C'est incroyable. Un petit mot. Euh sur son euh, introduction, ça se dit-tu, sur le Hall of Fame pour euh, Paul Heyman? Euh, es tu content? Je... Ben oui. C est, c est, c est... Ça fait des années que ça aurait dû arriver. Il y a tellement d'aspects à sa carrière. Je veux dire, Paul Heyman, ça, ça... à chaque fois qu'il a fait quelque chose quelque part, il s'est réinventé ou il a réinventé. Ce gars-là est un... Est synonyme de faire de l'argent dans la lutte. Tu sais, la, la mentalité au du coup, c'est pas juste avoir des fans, c'est pas juste euh, avoir des bons moments à WrestleMania. Ce gars-là, probablement, les, les, les richesses qu'il a apportées à la WWE ou la CW ou ce qu'il a, tu sais, je veux dire, ce, ce, ce gars-là est, est un changement de paradigme dans la lutte à chaque fois qu'on lui donne un gros rôle. Mm. Puis euh, ça peut pas être plus euh, mérité. Puis son, son discours pourrait faire une heure, puis je pense que je vais écouter chaque virgule. Mm. C'est un orateur exceptionnel. Puis ah oui, ah oui, ah oui. Puis j'écoutais un podcast avec lui où il parlait qu'à tous les à toutes les années, il invite euh, des, des jeunes professionnels dans toutes sortes de milieux, euh, toutes dépenses payées pour un genre de 48 heures de brainstorm où il veut savoir qu'est-ce qui se passe de nouveau euh, dans les technologies, euh, dans, dans la finance, dans, le, le, dans les médias, dans le divertissement, juste pour lui, comme professionnel, se garder. Euh, à jour par rapport à ce qui se passe dans le oh, monde. Ouais, fait qu'il ouais. veut apprendre c'est quoi les, les, les nouvelles façons de parler, c'est quoi les nouveaux trends, c'est quoi la mode, juste pour rester actuel puis pas être l'espèce de, de, de vieux réactionnaire euh, qu'on qu qu dirait, ah, va, va vendre des toasters à la TV ou quelque chose. Euh, lui, oh. se garde, ça se voit qu'il se garde updaté avec ce qui se passe dans le monde. Pourquoi des toasters? Je sais pas, j'ai pensé à. Ça m'a fait penser à Hogan qui faisait des infos publicités, euh, qui okay. vendait des grilles sans gras, puis des, des, des crèmes topiques, puis euh, des. Euh, Moi, j'ai euh, vu des... uh, George Foreman dans ma tête. <laughs> ouais, ben, c'est ça, c'est un peu le même genre, mais Hogan, <laughs> vous irez sur YouTube, il y a beaucoup d'infos publicités avec Hogan qui vend toutes sortes d'espèces de produits de, dégueulasses. Mais tu sais, ça, c'est quand tu deviens un peu une parodie de toi-même, puis tu refuses d'évoluer avec le temps, tu finis par juste. Tu t'es un peu comme Steven Seagal dans un film qui continue à avoir son petit code de crêpe, ses petits cheveux lichés par en arrière. Puis <laughs> tu fais encore semblant que t'es capable de te battre. Mais Hogan, ouais, il y a des belles infos publicités avec Hogan qui vend n'importe quoi tant que son nom est associé. C'est ouais, pas Paul Heyman qui va faire ça, je pense. Fait qu'on est rendu au numéro. Numéro 3. Oh, oh, le top 3 de top 3. Ouais. If you smell au oh, numéro 3 on, on s'en est rappelé dernièrement à quel point c'est un excellent catchphrase juste savoir mais c'est son... long non oui mais son... oui, ben, moi j'adore le... j'adore j'adore ouais. puis celle-là est adaptable parce que si The Rock se rend compte que la foule est capable de, de le scander en même temps que lui, il va rajouter une virgule, il va juste laisser la foule continuer puis après il va reprendre le micro, le rapprocher puis il va continuer son catchphrase plus lentement pour commander l'attention de la foule quand il ça c'est il fait ça quand il est méchant puis on l'a vu quand il, est, quand il a fait son retour il y a quelques semaines à la WWE, l'explosion d'entendre juste le début de sa chanson thème, If You Smell, c'est incroyable. Puis un bon catchphrase, ça s'adapte comme ça aussi, tu sais, ça devient, le, ça devient le, 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 le thème, ça devient le titre d'une biographie, ça devient le titre d'un podcast. Euh, si The Rock avait une biographie, probablement que ça va s'appeler « If You Smell », ou si un podcast, un jour, ça va s'appeler « If You Smell », c'est euh, dans, le, dans les catchphrases les plus mémorables, les plus importants, puis les plus euh, quotables de tout le temps. Puis, encore là, ça fait aucun sens. Exactement, smel... ça, je venais le dire. « If You Smell What The Rock Is Cooking », c'est une façon qui est plus euh, urbaine de dire, genre, est-ce que tu comprends ce que The Rock essaie de te dire tu sais, est-ce que tu, tu sens, ça fait aucun sens, mais venant de lui, ça fait totalement du sens. Puis exact. moi, je quotais If you smell what the rock was, is cooking avant même de savoir ce que ça voulait dire, avant même de parfaitement parler anglais, je pouvais quoter If you smell what the rock was, is cooking. Puis c'est ça, c'est juste un bon catchphrase ouais. universel. Je suis sûr qu'il y a du monde qui ne parle même pas anglais qui disent If you smell what the rock is cooking. Oui, mais tu l'as mis troisième, fait que j'ai hâte de voir la barre du 2 et du 1. Ouais. Euh, numéro 2, plus proche de nous autres, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Ouais. Passant, Parce ça, c'est le numéro 1 du sondage. Ben, c'est notre. Ça ne m'étonne pas. Ça, mmh. c'est le je me souviens de la lutte québécoise. Ouais, ouais. Cette phrase-là, c'est pas juste la phrase d'Edouard Carpentier cette, cette phrase-là va transcender la lutte. Je sais pas pour rien que c'est le titre de, de Pat la phrase et Bertrand ouais. Hébert pour leur livre. À la semaine prochaine, si Dieu le veut, tu ne peux pas désassocier la lutte québécoise avec cette phrase-là. Puis au final, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. C'est plus une phrase de conclusion. Mais... Moi, ce que j'aime, c'est le rendez-vous. Oui. Il y a un rendez-vous. Le côté, le côté si Dieu le veut, ben. C'est sûr bon, qu'aujourd'hui, c'est autre chose, mais en voulant dire, s'il n'y si arrive à rien, on va être là. Tu sais. C'est vrai. Puis ça donne, puis c'est un, un bon aspect d'un catchphrase c'est ça crée une appartenance au brand. Hmm. Euh, on se sent inclus à la semaine prochaine, si Dieu le veut. On a envie d'être là, on a envie d'être au rendez-vous, comme tu dis. Euh, Toi, t'as quel si, âge, Mathieu Je vais avoir 37 bientôt. J'ai 36 en ce moment. Toi, je suis surpris que tu amènes ça parce que. 45 et plus, je me le fais dire. Euh, ouais. souvent. Ben, J'ai beaucoup d'archives de lutte québécoise ici, c'est sûr que c'est hum. Mais tant ans, mieux parce que le, le fait que tu le mets numéro 2 et, et le fait qu'on en parle, il ben, y en a beaucoup des plus jeunes qui vont, ouais. qui vont se poser des questions, puis ça va euh, faire perdurer. Cet, oh, et puis euh, même euh, je pense Jean-François Kelly il termine son podcast comme ça aussi maintenant euh, les, les rois de la reine à sa façon, il <laughs> faut le dire. Mais <laughs> tous ces podcasts finissent par à la semaine prochaine si Dieu le veut. Euh, c'est pas lui, c'est pas lui qui dit c'est un rendez-vous. Euh, c'est ben, la prade, c'est la prade. Là, il dit, ça. Ouais, il dit bien des affaires par exemple Kelly il dit euh, tu connais tu Bob. Ah euh, ouais. ouais. Ouais, des des bonnes vieilles phrases de vieux routiers comme ça. Je pense qu'il l'a pris celle-là. Oui, hein? Mais il y a beaucoup de. J'ai noté euh, quelques catchphrases québécoises, si on a le temps, si tu me le permets. Ben oui, ben oui, on a le temps. Euh, parce qu'il y, y a quelques. Québé... Ça, c'est une affaire qui manque cruellement au Québec. C'est des catchphrases de lutteurs québécois. Euh, fait que ceux qui l'ont, j'aimerais ça le, le, le souligner. Puis je m'excuse si j'ai des oublis. Euh, Mitch Thompson, monsieur VIP est dans place. Ça a commencé comme à rien à cause de son tag team, les VIP. Mais maintenant, quand je vois Mitch sur un show s'il ne rentre pas dans le ring en disant Monsieur VIP est en place, j'étais un peu déçu parce que c'est une belle catchphrase Monsieur VIP est en place comme fan de lutte tu ne le connais pas ça première un peu tu le vois Monsieur VIP est en place est comme, ok je vais va regarder ce que ce lutteur là a à me dire ce qu'il a à me raconter ouais. exact euh, fait que chapeau à Mitch pour celle-là euh, Monsieur Kelly avec euh, vous êtes extra et vous vous êtes ordinaire c'est sa catchphrase préférée euh, tu sais d'où ça vient ça hein non non <coughs> Écoute, à un moment donné, avec la mère de Liam, euh, Caroline, euh, on est, euh, je suis allé euh, magasiner une place de meubles et Guy Aubry était là à faire du remote. Puis okay. moi, je l'ai compté à Calais. puis je ne sais pas s'il l'a pris de là ou il l'a déjà... Euh, et Guy Aubry, que je connaissais parce qu'il est de ma génération d'animateurs de radio, oui. fait il me voit avec Caroline, puis il dit... Euh, euh, wow, Marc, euh, et toi c'est Caro, vous faites un couple extraordinaire. Toi, Caro, tu es extra, toi Marc. T'es ordinaire, tu es extraordinaire, il wow. tellement trop. J'imagine avec sa belle voix en ah, plus. C'était bon. Fait que je ne sais pas, faudrait le demander à Kelly, mais, euh, mais c'est drôle que tu l'as mis dans les lutteurs. Il a fait euh, un ouais, ben, combat si c'était contre le mafioso. Puis d'ailleurs le mafioso, Uno Momento, Uno Momento. Ouais. Euh, C'est le plus proche qu'on a, mettons, d'un Paul Heyman au Québec. C'est Joey ouais. Soprano qui arrêtait le temps pour venir dire, euh, ou momento, mon là peu importe ce qu'elle a fait, elle a fait la marde ouais. dans un show de lutte. J'adore ouais. ce catchphrase-là. Ouais. Euh, Marco Estrada avec le champion du monde. Ouais. Un beau ouais. brand, ça le représente ouais. super bien. Euh, monsieur Saint-Jacques, monsieur Dubois, là ils le font un peu moins parce qu'on les voit moins en équipe, mais avant chaque tag, ils se criaient. Monsieur Dubois, monsieur Saint-Jacques, avant de faire le changement, au point où la foule embarquait puis le faisait en même temps qu'eux. Fait que ça, c'était On sentait qu'il y avait de quoi qui voulait monter. Il, ça n'a jamais été vraiment proprement exploité. Mais monsieur Saint-Jacques, monsieur Dubois, ça s'adaptait aussi quand il y avait un partenaire. Euh, les gens scandaient aussi le nom du partenaire. Fait que, ça montrait ouais. qu'il y avait de quoi de, de naturel. C'est ça. ça C'est vrai. C'est vrai. Mais ça n'a pas été proprement exploité par TDT. Pas encore. Fait euh, PCO avec style à à et deux <laughs> pieds de bras. Euh, mais le style à il est parfait. Ça, ça représente bien son personnage. Puis, euh, c'est simple. Tout le monde a envie de le quoter. Euh, tu sais-tu comment, a... comment que ça a parti? Ben non. Puis, il y a une autre histoire. Let's go. Écoute, PCO, quand qu on était à RDS, euh... Tu, sais, tu l'écoutes parler et tu vois qu'il n'y a pas d'éducation, pas d'instruction. Je comprends. C'est une joke. Là. Oui, je, 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 je faisais semblant d'embarquer, mais. Oh ben, un je peu ben. mal à mais il y, a des, il y a des choses en français qui avaient de la misère. Ouais. Tu sais, moi, j'ai de la misère sur certains, certains aspects de la langue française, mais je m'en sors. Et lui, quand il ne s'en sortait pas, puis je disais, en plus, je me faisais un plaisir le dire, ben, il disait. Écoute, c'est le style de PCO en voulant dire que parce que lui le dit, ben c'est le PCO, c'est la la la, la j'ai le droit de dire si j'aurais. Tu sais, ouais. il y a le droit parce que c'est le PCO, c'est c'est le même que. C'est ben absolument parfait aussi. Je veux dire, un bon heel adapte la réalité à ses besoins. Exact. exact. Puis c'est ce qui en fait, n'importe quel heel dans l'histoire de la lutte, tu regardes, c'est qui les meilleurs, mais c'est ceux qui, ils ne comprennent pas qui sont les méchants dans leur tête. Ce qu'ils font, c'est la meilleure chose au monde. C'est exact. c'est ouais. Puis ça, c est, c est, je pense que ce qu'on vient de dire là, c'est comme une vérité qui est plus universelle, qui devrait être un petit peu plus euh, euh, exploitée peut-être dans un autre sujet, mais le, le heal, le vrai heal, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui pense qu'il est heal et un vrai, de vrai heal à la Jesse Ventura ou la Bobby Heenan? Right. C'est ce... Cette absence de conscience-là sur le fait qu'ils sont absolument dans le tort. Ouais, c'est ça. C ça. Euh, un petit dernier, euh, c'est Benjamin Toll qui dit ça, mais juste sur Internet, je rêve du jour où il va inclure ça dans toutes ses promos euh, à la lutte. C'est Regarde, je vais le dire. Une grosse partie de ses posts Facebook, il, va, il lance une vérité qui est soit choquante ou ironique ou quelque okay, chose qui ne okay. fera pas l'unanimité. Fait qu'il commence en disant Regarde, je vais le dire. Comme ah. si, OK, personne n'ose le dire, moi je vais le dire. Pourquoi il ne commence pas ses promos à la lutte comme ça? Le gars rentre dans, avec son micro, il s'en va pour dire quelque chose d'impopulaire ou qui va faire chier les gens. Regarde, je vais le dire. Je vais ça a le doigt de le dire à Sim 4, parce qu'il va être sa carte. Ouh. Quand je vais, être, je vais être live dans la foule. <laughs> hey, il ne euh, nous reste bah, pas grand temps, pour on va défoncer le Zoom. Wow, OK. Euh, J'avais noté. Oui, j'avais noté Mesdames, Messieurs aussi euh, pour le Québécois parce qu'on ne peut pas euh, séparer l'homme de l'œuvre. Mais tu ne l'as pas messieurs. fait en étant têteux. T'es zéro têteux. Ben non, puis euh, c'est une phrase qui, qui, qui est tellement comme. qui, qui est tellement. Tu sais qu'on ne peut pas te désassocier à toi que mm. euh, c'en est, est, est le titre de ton podcast, c'est le titre de ta, de ta biographie. Mm. Euh, fait c'est ça, c'est un bon catchphrase. Euh, je l'aime. Ben merci. Et ton grand merci. numéro un. Ça peut pas être autre chose. On va en parler dans 200 ans. Ric Flair, c'est la meilleure catchphrase de tous les temps à l'histoire de la lutte. Ça se dit par n'importe qui, dans n'importe quel langage. Les gens peuvent le partir dans la foule. Ric Flair peut le dire à la place d'une virgule, s'il veut. Mmh. Euh, c'est un son que tu à chaque fois qu'il y a une choc c'est mm. tu peux pas faire un meilleur catchphrase que woo puis ça représente absolument qui est Ric Flair dans la vraie vie t'as aucune difficulté à t'imaginer que ce gars là rentre dans un bar il dit juste woo puis il y a comme huit Jack Daniels qui apparaissent devant lui et, c c et cette fille euh, oui oui <laughs> comme tout le limousine riding euh, jet wow. euh, jet flying, tout ça peut être remplacé par un woo c'est Parfait, cette phrase-là, tu l'entends dans les house shows, ça te donne envie d'aller live voir un show parce que avant même que les rideaux s'ouvrent, que les lumières se ferment, la foule se, se pompe déjà en criant Wouh. Avec ceux que tu as choisi, je suis surpris que le Oh Yeah ne soit pas là. Le Oh Yeah de qui The Macho Man. Ah oh, ouais, hein? ben écoute, j'aurais pu rajouter le aussi le oh oh yeah de Something Brother. Ouais. As-tu vraiment dit ça, le Oh ouais, Yeah ben, de qui il ah, y, y arrive, a la je okay. Oh yeah! Ben, je ne suis pas bon. bon là, mais... Tu vois, Macho Man. Ouais. <rire> <rire> Mathieu, ce, ce fut euh, intéressant. Je, honnêtement, il y a des fois que je, 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 te, je te pousse un peu. Là, je n'ai pas vu le temps passer. Quand ça, ça a flashé devant nous, ben, en tout cas, je ne sais pas si toi tu l'as vu, qu'il restait 10 minutes. J'ai fait comme, ben, voyons, on dirait qu'on vient de commencer. Ouais, ben, écoute, j'avais même une dimension déshonorable, mais écoute, ce sera pour une autre fois. Ah non, je veux les je veux avoir. Ah oui, cool. ok. Ouais. Uh, okay. Uh, I'm the Miz and I'm Awesome, je déteste ça. Um, I bid you adieu de Kenny Omega, je déteste. Uh, I like this hat de Jake uh, Hager qui essayait d'en faire quelque chose qui, qui, qui le forçait comme ça ne marchait absolument pas. Uh, Cody Rhodes en ce moment avec What do you guys want to talk about? C'est terrible. C'est absolument mm. terrible. Euh, et, euh, oh, ben, Triple H, let's get ready to suck it. Je ne sais pas qu ce qu'il pensait. Ça ne fait même pas de sens en anglais. Mm. Euh, ça, c'est quand il faisait la DX par lui-même. Puis, let's get ready to suck it. Comme, let's get ready to suck what? Comme, mm. on va sucer quoi? En mm. tout cas, euh, l'arbitre demande le brie et non, on ne parle pas de fromage. Oh, que ça oh mon bonne. Dieu! Ça, c'est la phrase qui me donne envie d'écouter des pay-per-views en français juste pour le moment où je vais l'entendre dans la soirée pour dire hey, « Et voilà, il le dit. » C'est comme aller voir ton artiste préféré puis attendre ta toune. Moi, c'est « L'arbitre demande le brie et on ne parle pas de fromage. » À chaque fois, j'ai comme la main qui arrive dans le front. « Ah oh, non, il le dit. » Quand euh, on fait le... TNI, il... il me regarde parce qu'il m'ouvre la porte puis des fois, j'attends, <laughs> j'attends, j'attends. <laughs> Oui, c'est de tous tes, tes jeux de mots c'est celui que j'attends avec le plus d'impatience pour, pour réagir à la négative en disant oh no! non. Et pour moi le pire catchphrase de tous les temps, de tous les temps le plus toxique, le pire monstre catchphrase what de Stone Cold. Mm. Ce catchphrase là faisait du sens avec lui, mais malheureusement il a pris une vie par lui-même. Euh, c'est devenu un monstre. Quand ça arrive pendant une promo, ça ruine complètement un mood, il n'y a rien oh, ouais. que le lutteur peut faire à part ouais. essayer de jouer avec ça, Ce c'est pas tous les lutteurs qui sont à l'aise d'improviser Puis renvoyer ça à la foule pour dire Ah oh, ouais, hein, vous n'avez pas compris ma gang de ouais. le what de T'sais, quand c'était Austin, c'est parfait, il arrive devant quelqu'un, et il dit juste what? Mais en dehors de Austin, les gens qui, qui s'en servaient pour euh, un peu euh, des hacklers pendant un, un show de, de stand-up. Ouais. C'est horrible, la foule qui décide de, de célébrer sa propre importance en disant What à tout bout de chance, Et Puis malheureusement, c'est aussi catchy que, que woo parce que c'est une seule syllabe, c'est facile ouais, à dire. Ouais. Tu mmh. peux le scander rapidement. C'est horrible. J'aimerais que ce chant-là n'ait jamais existé. monsieur Lavigne, il nous reste une minute seulement, fait que je te dis bye bye tout de suite. Pas une minute à jaser parce qu'on a fait un quasiment 30 minutes là-dessus. Ouais, oh Dieu, je ouais. suis désolé à vous auditeurs. Même pas le temps de faire mon top 5 de costume, j'imagine. Mais non, ça sera pour la prochaine fois. J'ai beaucoup apprécié, comme sûrement la majeure partie euh, des, des auditeurs. Fait que je te dis un gros merci et euh, sûrement à un prochain top 5, top 10. Je le veux. Oui, exactement. Salut Mathieu, merci. Au plaisir. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Pour le dernier bloc, Marc, tu voulais qu'on parle du fameux sondage que tu as mis sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Ben, C'est euh, David, euh, David Jouan, euh, le Casanova des pauvres. Non, le Don Juan des pauvres. <laughs> C'est lui que, qui a mis ça et il, il disait que les, euh, les fans pouvaient en ajouter. Je te fais le, le décompte, euh, le, le, le top 5, uh, The oui. Best There Is. The best there was, the best that will ever will be, qui est bien sûr la phrase so. de Brett The Hitman Heart. Oui. Uh, c'est le numéro 5 au sondage. Le numéro 4, on en a parlé aussi. Uh, can you smell what the rock is cooking? Oui. Le numéro 3, because Stone Cold said so. Oui. Tu vois, c'est drôle. Line. Pour moi, Stone Cold, c'est plus hell yeah. Ouais, mais écoute, il s'est mis over là, euh, à sa première promo. Euh, on s'en rappelle là, King of the Ring quand il avait battu, euh, il avait battu Jake Roberts, puis il avait dit Austin316 said, I just whooped your ass, and that's the bottom line, because Stone Soul said so. Moi, c'est plus ça qui me. Hell yeah, c'est venu après. Ouais, mais euh, écoute, puis les deux dernières sont en français, le deux wow. parce qu'il c'est les qui ont dit Soyez-y, mesdames, messieurs. Mais, oui, hey, ça, c'est têteux rare. Oui, puis ceux qui, y ont, qui ont voté, soyez-y, mesdames, messieurs, n'oubliez pas de m'écrire en privé pour acheter une participation pour gagner les quatre billets. Et oui. en première position, c'est le à la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui est aussi un livre écrit par Bertrand Hébert et Pat Laprade. Oui. Euh, et c'est cette phrase célèbre de nul autre que Édouard Carpentier. Ça trahit ce... trahi large, trahi large à tes auditeurs. Et moi, Édouard Carpentier, à chaque fois que tu me mentionnes Edouard Carpentier, je ne peux m'empêcher de penser à ton ouais. histoire quand ouais, tu es mais... allé porter une caisse de vin. On ne reviendra pas là-dessus, mais moi, j'ai juste ça en tête. tu sais, dans les autres euh, qui avaient avait euh, sur euh, le, le, le le sondage, moi-tu le dire, celle-là, euh, ça ne me dit rien. Oh, you didn't know. You, « Your ass better call somebody ». Ça, c'est les New Age Atlas. C'était ah, qui disait C'est le, le bout que j'écoutais pas. Il euh, euh, y, y a eu le « Woo !»« One more for the good guys ». Ça, ça nous dit « Suck it ». Le fameux « Oh yeah ». Et là, les, les membres qui ont écrit « Serge Coutu a ajouté le incroyable ». Oui, monsieur. Ça, c'est mon Serge. Il allé chercher 4 Il y a Gaétan Julien, 0 Attachez vos ceintures, ça ne me dit rien. Ça dit quoi, toi? Moi non plus. Hey, Guétan, c'est à l'écoute, viens nous écrire. Attachez vos ceintures. Et, et la grosse question, est-ce que c'est Guétan ou Gaëtan? En tout cas, il euh, y a Martin Aloulou, l'arbitre oui. demande le bris, bien, bien sûr, Martin. Il oui. euh, y a May Gregory, tu m'étonnes, mauvaise pomme. Je pense que c'est le tourneur qui me disait ça. Ah oui. Quasiment certain. Il y a Tommy Laffont, et hey yo, bien sûr. Mm -hmm. euh, Luke, du, Luke, du, Luke Duke, NWO ouais, for life. Il euh, y a Daniel Ménard, la foule est en délire. Il oui. euh, y a Maxime Marchand, je pense que tu connais ça. Mon cousin. C'est beau l'amour, les bananes, ça boue. De Marc Blondin, bien sûr. Et il y a... Giuseppe Signore, tu le connais? Oui, Joe Soprano. Exact. Beat me if you can, survive if I let you. Tu sais qui disait ça? Non. Le lutteur Taz de la ECW. Ah, tu vois, je ne peux, peux pas tout savoir et surtout non. tout me rappeler. Voilà, c'est bien il dit. Il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, ouais. Encore une fois, un gros merci. Euh, à Max Bacon pour avoir commandité les faits saillants de la semaine. Oui. C'est une des rares fois, Ensum, où je ne peux pas te garantir le thème de la semaine prochaine. Ah euh, oui, OK. Soit, il y a le Musée de la Civilisation où je devrais être. Tu viens-tu, toi, le 19? Tu m'en as pas parlé. 19 euh, février. Tu n'as pas reçu une invitation? Pas du tout. J'avais donné ton nom. Il y a un musée sur la lutte. Euh, et moi, yeah. ma botte de Rick Martel est là. Okay. Euh, au musée, et j'aimerais ça faire des entrevues, parce que ça va être euh, vraiment spécial, puis il va avoir plein de personnalités là, dont Rick Martel, j'espère. Il, il va retrouver sa botte qu'il cherche depuis des années. La seule chose, c'est que ça se peut qu'à ce date-là, je sois en vacances dans le Sud. Alors, euh, ça va bien. Sinon, euh, on veut faire les scandales dans le monde de la lutte. Et Alors, c'est dans les, les prochains... Les, mais, soyez à l'écoute. Regardez l'image qui sera mise par nul autre que Gav David Jouan, le Don des pauvres, et non Bravo, de Casanova, Marc. Hansom. Bravo, Marc. Bravo. Merci euh, d'avoir été là pendant toutes ces années-là, Ensom. N'oubliez pas de m'écrire en privé ou Jean-Frédéric Clément pour acheter votre participation. Il reste ouais. quelques secondes, vas-y. Mais Marc, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour un sujet qu'on ne connaît pas encore. En disant la catchphrase numéro un Soyez-y, mesdames, messieurs!